Bienvenue sur leur FM 100.9, c'est Rendez-vous avec Gilles Charles, avec un nouvel invité cette semaine et un invité du coron, on va dire, tiens, pourquoi pas, puisqu'on a un Saint-Mineur avec cette Sainte-Barbe 2015 qui se déroule ce vendredi 4 décembre à Saint-Étienne notamment, puisque Gilles, tu reçois, je crois, cette semaine Fernand Fraisse. Tout à fait, merci Philippe, bonsoir à tous, bonsoir à nos amis mineurs, puisque demain c'est la Sainte-Barbe. Je vous rappelle donc pour les diffusions, le jeudi à 18h en direct et le vendredi la rediffusion. Fernand Fraisse, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir à ce micro. On va faire une spéciale mine et vous êtes, j'allais le dire sans jeu de mots, une mine de souvenirs. Oui, on va dire, il y a quand même beaucoup de souvenirs sur la mine, hein, c'est clair. Hein. Alors, la première question c'est qui vous êtes déjà? Alors, je suis Fernand Fraisse, bien sûr. Donc j'ai 76 ans, là, eh ben, tout proche, là, le 11 décembre, hein, voilà. Et donc je suis rentré à la mine à 17 ans, quoi, au Puy Couriau. Vous êtes rentré à la mine à 17 ans, c'est-à-dire vous aviez fini vos études, comment ça se passait à l'époque? Ah non, les études c'était à 14 ans, on allait au boulot à 14 ans après le certificat d'études. Hein. Et à l'époque on avait un métier, on avait quelque chose? Alors, on pouvait partir en apprentissage, donc moi j'ai travaillé, avant de rentrer à la mine j'ai travaillé sur le cycle, après j'étais tailleur d'engrenage, d'ailleurs une boîte qui existe encore, qui s'agrandit, chez Billard, je peux le dire, hein, oui, Billard à Pont-Salomon, voilà, j'ai des bons souvenirs. Et de là je suis rentré à la mine. Pourquoi? Ben parce que toute ma famille était mineure. Toute ma famille était mineure, il y avait les avantages, il faut bien le dire aussi. Hein. C'était quoi ces avantages? Eh bien, il y avait le logement, le chauffage, le jardin. Il faut savoir qu'à l'époque, le jardin, c'était très important. On vivait pratiquement sur le jardin. Hein. Voilà, donc tout ça fait que, bon, ben, c'est un plus. Il y avait les soins aussi, si je me souviens bien, le médecin? Ah, on avait, bien sûr, on était bien soignés. Donc, il n'y avait pas d'avance à faire, je veux dire, on était très... C'était très bien, quoi. Et comment vous êtes rentré à la mine? Alors, vous vous souvenez de vos premiers jours? Ah ben, les premiers jours, c'était pas folklorique, même longtemps après. Hein, c'était au Puy Couriau, c'est ça? C'était au Puy Couriau, donc il a fallu passer, bien sûr, des essais avant. Hein, avant de descendre, on ne descend pas du jour au lendemain. Comment ça se passe, alors? Parce que moi, je suis un enfant de mineur, un petit enfant de mineur aussi, mais c'est vraiment quelque chose de vague dans mon esprit. Alors, certains pouvaient rentrer au centre d'apprentissage, hein, au Grand Coin. Donc là, il passait un CAP de mineur qui durait 2 ans, donc la pratique bien sûr au fond et la théorie au jour. Ou alors, carrément, comme moi, je suis rentré carrément à la mine. Bon, je ne suis pas rentré direct, on va dire, à l'abattage. Hein. Non, j'ai débuté manœuvre. Hein. Et comment on commence alors? On est manœuvre. Hein. On fait quoi? C'est quoi le premier boulot que vous avez fait? Eh ben, c'était pas extraire du charbon tout de suite? Ah non, pas du tout. Alors le premier boulot, c'était de graisser les marteaux piqueurs. Dans la taille de tous les piqueurs, et au bout d'un moment, les marteaux piqueurs, ils fonctionnent très mal, donc il faut y mettre de l'huile. Voilà, donc j'ai fait le graisseur, on appelait ça chez nous le trieur de pommes, c'était un surnom. Voilà, puis après, je suis parti au rebancher, voilà, après j'ai changé de poste. Alors vous qui êtes une bible de la mine stéphanoise, comment on a trouvé les premiers grains, j'allais dire oui, les premiers grains, les premiers grammes de charbon dans la région? Alors soi-disant c'était surtout sur Roche-la-Molière, hein. Il y a peut-être d'autres endroits, ça c'est clair. Mais en bon, les cultivateurs en labourant, bon, il y avait les veines de charbon effleuraient si vous voulez, hein, le sol, donc ils appelaient ça donc la terre noire, d'où le patelin terre noire. Hein. Le patelin. Voilà. Donc terre noire, et puis bien sûr, suite à un orage, les trucs, la foudre, tout ça, ils se sont aperçus que cette terre noire brûlait, et après ça c'est, surtout au XVIe siècle, ça c'est, mais sinon c'est fin du XIIe, hein, c'est qu'ils ont commencé à trouver. Dans la région, c'est dans fin la région, oui, XIIIe, là, Roche-la-Molière. Et donc on a découvert qu'avec ce charbon, on pouvait faire du chauffage et puis de l'énergie. Du chauffage, et puis bon, faire la forge aussi, hein. C'était très important, hein, pour les gens là, à l'époque, quoi. Voilà. Et donc, à la grande époque stéphanoise, il y avait combien de puits de mine, il y avait combien d'employés, il y avait combien, j'allais dire les puits de mine, je sais que sur Saint-Étienne, on en a quand même trouvé 189. Bon, bien des puits connus, moi pas connus, bien certains ont été bouchés, mais sinon, sur Saint-Étienne, il y avait énormément de puits, puis Roche-la-Molière, dans tout le bassin, il y avait sûrement plus de 2000 puits. Hein. Et vous savez à peu près les quantités de charbon qu'on extrayait par jour, par mois, par semaine, je ne sais pas comment ça marche. Alors, à mon époque, hein,
À mon époque... Votre époque, c'est quand, on situe ça en quelle année? Allez, on va les années 60. Hein. 60. Voilà. Ben nous, c'était à la taille, je me rappelle, quand j'étais piqueur, il fallait abattre 15 tonnes. 15 tonnes par? Par jour. Par jour. Par poste, par poste. Voilà. Donc, 8 heures, combien? 10 heures, combien? Ben les 8 heures, je dirais moins de 8 heures, parce que nous, si vous voulez, la journée démarre lorsqu'on prend la lampe à la lampisterie. Donc il faut compter encore une demi-heure de voyage pour arriver au chantier, vous voyez. Donc ça fait pas tout à fait 8 heures. Mais il fallait faire 15 tonnes. C'est-à-dire il fallait abattre 4 mètres de long, une flamme qu'on appelle, 4 mètres de long, 2 mètres de haut, 1,20 mètre de profondeur, le charbon évacué, le boisage effectué, ça fait 15 tonnes. La vision que j'ai ou qu'on doit avoir les auditeurs, c'est ces fameux chariots qu'on pousse là dans les films. Voyez, ça représente combien de chariots à peu près, 15 tonnes? Ah ben les bennes, ça on appelle ça des bennes, c'est pas des chariots. Si, ça existe les chariots, mais pour transporter les bois, hein. Voilà, c'est différent. Donc ces bennes-là, donc chez nous, ça dépend les puits. Hein. Donc chez nous, sur Courriot, par exemple, c'était des bennes de 1500 kilos. Hein. Voilà. Donc c'était vraiment un travail d'abattage. Hein. Ah oui, bien sûr. On était payés au rendement. Hein. D'ailleurs, ça se passait comment les rémunérations? C'était un salaire fixe avec des primes de rendement, justement? Ça se passait alors, comment? Le matin, vous arrivez dans le chantier, dans la taille qu'on appelle, la taille d'abattage. Donc le chef, il vous place. Le chef d'équipe, il vous place. Donc, on est séparé. Chaque piqueur est séparé de 4 mètres, puisqu'il abat 4 mètres de long, hein, sur 2 mètres de haut, comme je vous ai dit tout à l'heure, et 1,20 mètre de profondeur. Donc, c'est évalué à 15 tonnes. Et donc, on prend le marteau-piqueur. D'ailleurs, comment était branché le marteau-piqueur? C'était autonome? C'était comment? Moi, je suis complètement. Le marteau-piqueur, il fonctionne à air comprimé. Hein. Air comprimé. Voilà, d'accord. Donc il y avait un tuyau d'un diamètre de. Allez, 50-60 qui passait dans la taille tout le long. Il y avait des robinets, quoi, on va dire. D'accord. Et donc, chaque piqueur avait un marteau piqueur qui fait quand même 8 kilos. Hein. Mais quand on arrivait devant ce mur, j'allais dire, c'est le chef qui vous disait il faut creuser ici, comment ça se passait? Ah ben c'est nous, hein. Ouais, vous avanciez comme si vous creusiez un tunnel, comment ça se passait? Oui, sur 4 mètres je dis bien 4 mètres de long, mm-hmm. Hein, sur 1,20 mètre de profondeur. Et 2 mètres de haut. Et au fur et à mesure, on était, comment ça se passe? Ah oui, bien sûr, sinon on risque l'éboulement, quoi, voilà. Donc, si j'ai c'est quand même un métier, hein. On ne prend pas le marteau-piqueur, on ne pique pas n'importe où, il faut bien connaître la géologie du terrain. À partir de là, si vous connaissez bien votre géologie du terrain, vous savez où il faut piquer pour que le charbon tombe. Sinon, le charbon, il est certaines tailles, il est dur comme de la pierre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez user prématurément votre pointe de marteau-piqueur, elle va s'arrondir. Et là, ben, ça va être très dur après pour finir la journée. Hein. Et dans un mur, donc il y a tout, il y a du caillou, il y a de la roche, il y a du charbon, c'est tout un mélange. Ah non, en principe, il y a de la roche au début. Quand on attaque la taille en début, hein, on peut trouver des pierres, oui, de la roche. Mais après, c'est uniquement du charbon, hein, mais qui est très compressé, il est très dur, hein, très dur. Puisque bien souvent, il faut y faire peut-être un petit coup de mine, hein, pour l'ébranler, on va dire. Hein. Et comment ça se constituait alors? C'était des postes, 3x8, comment ça se passait? Oui. C'était toute la semaine, il y avait le week-end aussi, comment ça? C'était non-stop? Oui, alors à la mine c'était comme à l'usine, hein, c'était les 3x8. Donc à savoir quand même qu'il n'y avait pas d'abattage la nuit. Hein. D'accord. L'abattage il est de 6h du matin à 22h. Hein. Et pour quelle raison? Parce que la nuit il y a la maintenance. Hein. Ah, il y a beaucoup de boulot la nuit. Hein. Il y a moins de monde, il y a moins de mineurs, si vous voulez, mais il y a le foudroyage, c'est-à-dire tout ce qui est où le charbon a été extrait, ça fait du vide. Donc ce vide, il faut le faire tomber, il faut pas qu'il y ait du vide derrière nous. Hein. À mesure qu'on avance, à mesure qu'on fait le foudroyage, c'est-à-dire qu'on provoque un déboulement contrôlé. Pour pas que ça s'éboule un jour et puis la déflagration bouche la taille. Et qu'est-ce que ça peut faire aussi? Ça peut amener aussi des poches de grisou. Qui va s'accumuler là et bon. Est-ce que vous avez connu, vous, des grisous à Saint-Etienne? Du grisou? Oui. Ben, du grisou à la mine, bien sûr qu'il y en avait, hein, ça, c'est clair. Mais bon, j'ai pas vécu, sauf un sauvetage, à Roche-la-Molière en 68. Hein. J'étais sauveteur, donc. Mais sinon, j'ai pas vécu directement un coup de grisou, non. Et là, vous aviez. Parce que je pense que je serais pas là pour parler. Tout à fait. Là, et à l'époque, à Roche, vous aviez évacué des blessés, des morts? Oui, il y avait 6 morts, oui. 6 morts. Malheureusement, oui. Parce qu'ils étaient que 6 au chantier, ils auraient été 10, c'était 10. Hein. Parce que je me souviens, on a visité la mine avec vous il y a pas longtemps. Oui. Et oui, dans les douches, vous m'avez montré une sorte de banc en me demandant à quoi ça pouvait servir. Et vous vous souvenez, non?
Dans les douches, le banc, là, et vous m'avez dit à quoi ça sert. Je vous ai dit, ça doit servir à transporter des gens, parce qu'on dirait que c'est une position allongée. Et vous m'avez dit, c'est pour remonter les blessés et leur faire prendre la douche avant de les emmener à l'hôpital. Voilà, on ne rentre pas sale comme ça à la clinique Buisson. Hein. Donc on était lavé au jet. Ouais. Moi, je me rappelle à 20 ans, quand j'ai eu les fractures ouvertes à la jambe, là, ils ne regardent pas si vous avez des fractures ouvertes, on vous lave au jet. Hein. Et il s'était passé quoi cet accident alors à votre jambe? Eh ben, j'ai été coincé entre deux bennes de charbon, quoi. Ouais. De rocher, pardon. À l'époque, j'étais au rocher, quoi. Donc, fracture ouverte. Ils voulaient d'ailleurs, c'était prévu comme ampute. Hein. Et j'avais 20 ans, donc à l'époque, à la clinique Buisson, je me souviens toujours du docteur Fournel, qui c'est un champion, quoi. Il m'a dit, petit, tu referas du vélo, il m'a dit. Ah ouais. Ouais, ça m'est resté, ça. Et du coup, après, vous avez retrouvé un autre poste? Comment ça s'est passé? Ah ben après, je suis resté quand même plus d'un an en arrêt de travail. Hein. Mmh. Oui, parce que j'ai eu des greffes d'os, j'ai eu pas mal de choses. Et puis après, je suis resté une petite 5, 7, 8 mois au jour pour me réadapter. Donc j'ai fait plus, ça m'a permis de faire d'autres métiers au jour. Et puis après, je suis redescendu au fond. Hein. Et il n'y a pas une appréhension de redescendre? Bon, même pas. Ben, il ne faut pas non plus dramatiser, parce que sinon, il faut rester à la maison. Quoi. Et pour revenir à ces 8 heures, c'était quoi une journée type? Alors, on arrive, on va se changer à la salle des pendus. Voilà, donc déjà, c'est le départ de la maison. Hein. On se retrouve 3-4 collègues, on descendait, on ne prenait pas les transports en commun à l'époque. Hein. On descendait à pied de Chavassieux, hein, les cités des mines. Ouais. Voilà, donc on discutait tout le long. Là, et puis, vous faisiez la tournée des bars avant ou après? Pardon? Vous faisiez la tournée des bars avant ou après? Ah non, non, mais ça, il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus, hein. C'est pas tout le monde qui allait au bar, hein. Non, pas du tout, hein. Non, c'était pas mon cas, ni le cas d'autres collègues, donc on se rendait directement au puits, quoi, et directement au lavabo, et non pas salle des perdus, ça s'est jamais appelé salle des perdus chez nous, hein. Ouais, mais je sais pas, c'est dans le nord, voilà, ouais. C'était dans le nord, nous c'est les lavabos, hein. C'est les lavabos, voilà, dans le nord c'est les salles des perdus, en Auvergne c'est la chambre chaude. Vous voyez, chaque région, voilà. Donc on se changeait? On se change. On met le voilà, casque. On discute, on se change. Et ensuite, on va dans le couloir que je vous ai fait voir, qu'on a baptisé le couloir de la dernière cigarette. Pourquoi? Parce que c'est là que ceux qui fumaient, ils fumaient leur dernière cigarette avant de rentrer à la lampisterie. Là, c'est interdit de fumer, même pas un mégot éteint à la bouche, rien. C'était très surveillé. Hein. Donc voilà. Après, on prend l'ascenseur? Alors, on prend là d'abord son jeton. Ouais. Ah ouais, on a un jeton et ensuite on va récupérer sa lampe qui a le même numéro. Et d'ailleurs, vous m'avez parlé de la lampe, elle avait deux significations. La première, c'est pour bien sûr éclairer, mais la deuxième, c'est que quand on remontait, s'il manquait la lampe, ça veut dire que la personne n'était pas remontée. Voilà, c'est par rapport au jeton. Hein. Donc, si vous voulez, la lampisterie, c'était un lieu de pointage aussi. Hein. Ça permet de savoir si les gens sont venus travailler, mais surtout s'ils sont remontés du fond. Voilà. Très important. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça, je vous ai fait voir, on déposait les jetons dans un récipient, le lampiste il les remet en place. S'il s'aperçoit que tel numéro il manque, donc il va déclencher les sauvetages, quoi. Donc ensuite on prenait l'ascenseur? Ah ben ensuite on se dirige au puits. Ouais. Et bien sûr là on prend la cage. Hein. Ouais. Donc il y a plusieurs cordées. Une cordée ça veut dire un voyage. On descendait de combien de mètres à peu près? Environ 800 mètres en gros. Hein. Oui, chez nous. Hein. À l'Aricamari c'était 1000 mètres, quoi. Mais enfin bon, on n'est pas à 100 mètres près, hein, une fois qu'on est dedans. Et après, on prend le marteau-piqueur et on va à la bataille. Ah non, pas encore, hein, attendez. Oh là, on est encore, quand arrivé au fond du puits, on est quand même encore au moins 3 kilomètres du chantier. Hein. Ah ouais, donc ça se passe comment? Alors, on monte dans des bennes, ouais. Des bennes vides, ouais. Tirées par un locotracteur, hein, voilà, ouais. Et qui nous emmène au chantier, donc ça évite de marcher, un gain de temps et ça évite de se fatiguer, quoi. Mais avant tout ça, il y avait les chevaux aussi. Ah mais ça, oui, bien sûr, si on remonte les années, ben, les années 30, hein, ouais. Quand même, hein, parce que moi, non, je les ai pas connus. Hein. C'est quand même assez spécial à s'imaginer ces chevaux au fond de la mine, quoi. Ah, les chevaux, c'était quand même... Encore une fois, je vous dis bien, je les ai pas connus, donc il y a que des anciens mineurs qui pourraient en parler. Mais enfin, il y avait des écuries, hein, il y avait des écuries à l'intérieur des mines, au fond. Ah oui, tout au fond, il y avait... je crois que sur Corriot, il y avait pas loin de 40 chevaux. Hein. Ouais, mais c'est important. Hein, ah oui, donc, des gros percherons. Et puisqu'on est dans les animaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire avec les canaris? Je sais que mon père me l'a toujours expliqué. Oui, alors les canaris... Vous connaissez, Gilles, l'histoire avec les canaris? Oui. J'ai pas de souvenir. Alors, oui, il y avait des mineurs qui étaient payés pour faire de l'élevage de serins.
des canaris. Hein. Ouais. Alors pourquoi un canari? Pourquoi pas une perruche ou pour un bengal? Pour envoyer des messages, non? Non, tout simplement, c'est le seul oiseau qui a très peu de sang, donc très peu de poumons, donc le gaz va faire effet de suite. Il mourrait tout de suite. Si voilà, ah, pour d'accord. Donc, grison, c'était le signal d'urgence, quoi. Voilà, voilà si vous voulez, nous, on avait la lampe à flamme pour détecter le grisou ou le monoxyde de carbone, tout ça. Non, là, je précise que le canari, c'était pas pour le grisou, hein. Ah, pardon. C'était pour le CO2, hein, ah, d'accord. Qui est plus lourd que l'air, qui se trouve ras du sol, quoi. Voilà, donc s'il promenait sa cage, si le canari tombait du perchoir, ben, il valait mieux pas se mettre à s'asseoir, à genoux, travailler à plat ventre, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Et alors, on travaillait pendant 8 heures, il y avait une pause, comment ça se passait? On mangeait comment? Oui. On descendait son casse-croûte? Ah oui, bien sûr. Ou on allait au réfectoire à midi? Ah non, 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 non. Non, non, on descend la portion. Hein. Le gandeau, non? Ah non, non. Nous, il n'y avait pas la mine, il n'y a pas de gandeau. On n'a pas le temps de manger le gandeau. Je veux dire, on descendait la portion pliée dans du journal, quoi. Parce que vous m'aviez expliqué aussi que c'était dans une boîte en ferraille pour pas que les rats le mangent. Oui, ça, c'est le sac, hein, on va dire. Hein, parce qu'on on partait de la maison avec un certain, comme je vous ai fait voir, la fargine, hein, fabriquée dans un, par la femme du mineur dans un vieux bleu de travail, des trucs comme ça. Et ensuite, on changeait donc, au lavabo. On prenait un sac un peu plus sophistiqué, grillagé ou en tôle, comme je vous ai fait voir. Oui, pour les rats. Hein, parce qu'il y avait beaucoup de rats au fond. Et donc, je pense que quand on remontait, au bout de 8 heures, on était bien fatigué alors. Ben, quand on est jeune, on est plus ou moins fatigué, mais on est tellement content d'entrevoir le jour. C'est incroyable, hein, au bout de 8 heures, on sort des entrailles de la terre, quoi. On est content de revoir le jour, de retrouver sa famille, c'était la joie. Donc, aux douches, hein, je vous dis pas la galère, on s'achahutait. Hein. J'aimerais bien que vous me racontiez cette petite anecdote qui m'a choqué, c'est qu'au musée de la mine à Courriot, vous aviez mis toute une rangée de douches et vous m'expliquez qu'on vous les a volées. Ah, ben oui, ça, une année, quand même, là. C'est quand même ça a ouvert. Oui, le musée a ouvert en 91, 92, 93, oui. On arrive un matin, donc on nous a volé toute une rangée de douches. Hein, je vous ai fait voir, ouais. Voilà. Donc après, on a récupéré des douches, c'est pas les mêmes, hein, vous avez vu. Donc, qui venaient de Morembert, quoi. De Morembert, oui. Voilà. Ben oui, mais au début, il n'y avait pas d'alarme. Même des tuiles ont été volées, hein, ça a été détuilé un jour. On va reparler du musée dans un petit instant. J'ai juste une petite dernière question avant de passer à notre côté musical. Vous m'avez dit que ça ne s'appelle pas la salle des pendus, mais l'autre jour, nous avons parlé d'un chiffre. Vous avez dit que vous aviez mis à peu près 400, je crois... paniers. 400 paniers, et vous n'avez pas pu tous les mettre, parce que sinon, à l'époque... pas 400 paniers, non. C'est 1100. 1100. Aujourd'hui, il y en a 400, c'est ça? 350, hein, voilà. C'est moi qui les ai faits. Et à la grande époque, il y en avait 1100. 1100. Et si vous en aviez mis 1100, on verra plus. Non, et ça se touche. Puisque, une petite anecdote, bien souvent, le collègue qui était à côté de vous, qu'on n'était pas du même poste, il remontait son panier, puis il vous enlevait vos affaires, ça touchait, c'était... Bah, c'est quand même assez impressionnant de s'imaginer 1100 personnes. Ah oui, oui. Enfin, donc, ils n'étaient pas là toujours, mais tous en même temps. Ah non, non, poste, on était environ, allez, en gros, 500 par poste. Hein. D'accord. Poste 1 et 2, la nuit, moins. Très peu la nuit. On fait une petite pause musicale, alors c'est évident, vous avez choisi une chanson qui vient bien dans le thème, oui, vous avez choisi Pierre Bachelet. Oui, les corons, bien sûr, hein, ça c'est... C'est l'hymne des mineurs. Voilà. Allez, on écoute, on revient juste après. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Mon âme, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel,
c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, dans où je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh l'homme, c'était les cons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose, posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Bienvenue sur leur FM 100.9, les Corons, bien évidemment, pour cette émission donc spéciale Sainte-Barbe du Stéphane dans la casquette de Rendez-vous avec, puisque Gilles reçoit cette semaine Fernand Fraisse, l'illustre mineur stéphanois. L'illustre Fernand Fraisse. Ça se passe bien, Fernand ? Oh, c'est impeccable. C'est moins pénible qu'au front de la mine ? Ah, tout à fait. Hein. Alors, demain, c'est la Sainte-Barbe. Donc vendredi. Hein. Donc vendredi, puisque cette émission, une nouvelle fois, on le redit, a tellement de succès, elle est rediffusée maintenant. Alors la Sainte-Barbe, c'est quoi pour les mineurs ? Alors la Sainte-Barbe, c'était d'abord c'est un jour férié, bien sûr. Hein. Donc c'est la fête des mineurs, des pompiers, des artificiers, des artilleurs, enfin toutes les corporations qui touchent le feu. Voilà, c'était le 4 décembre. Donc nous, à Saint-Étienne, ça se passait à l'époque, déjà le matin de bonne heure, vers les, on va dire, 6 heures du matin, 7 heures. On faisait péter, j'ai bien dit, péter les boîtes. Hein. Donc c'était des mineurs qui étaient... leur boulot était de faire péter des boîtes, hein, des gros pétards. Hein. Donc ça servait surtout pour faire du feu, enfin, bien sûr la flamme, puisque c'est la fête de... C'est les explosions, c'est la poudre. Hein, voilà. Et c'est pour célébrer quoi alors ? C'est une fête ? C'est une célébration ? Oui, c'est faire honneur à la Sainte-Barbe ? Voilà, la Sainte-Barbe, donc c'est la patronne du feu, on va dire, voilà. Bâton du feu, voilà. Donc on faisait péter ces boîtes et ça permettait aussi, pardon, de réveiller la population pour leur dire, ah ben, attention, aujourd'hui c'est la fête. Hein. C'est la fête. C'est la fête, donc pas d'école, puisque la majorité des enfants c'était des fils ou filles de mineurs, hein, donc c'était férié. Et je dirais même, les employés municipaux, ils avaient un jour férié pour la Sainte-Barbe. D'accord. Et donc qu'est-ce qui va se passer cette année alors ? Alors cette année, c'est une année exceptionnelle. Donc d'abord, c'est la 19e année que je fais la Sainte-Barbe. Donc vous allez être porteur de statut. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Vous êtes hein. Devant, derrière. Alors, on est toujours devant avec mon collègue ancien mineur, M. Bory, aussi Loulou Bory. M. Bory qui a un lien de parenté avec notre ami Philippe. Voilà, tout à fait. Donc on est tous les deux là. On est d'ailleurs les deux seuls anciens. Hein. Après, j'ai des collègues qu'on a été obligés de prendre, mais qui ne sont pas mineurs. Voilà, donc le... Cette année, c'est quoi le programme alors ? Alors le programme, il va débuter, donc on va se réunir bien sûr à Place Jacquard hein, pour les défilés, la mise en place et tout, et on va se rendre directement devant l'église Saint-Charles.
Et à Jacquard, la cathédrale, ça démarre à quelle heure? Normalement, c'est alors le vrai horaire qui nous a été imposé, bien sûr, par France 2, hein, puisque ça va être en direct. Donc, c'est 19h15. Donc, ça sera en direct à la télévision. On aura trois quarts d'heure par rapport à les années précédentes. D'accord. Voilà, donc on part devant l'église, devant la cathédrale, pardon, au cœur de Saint-Charles. Hein. Voilà. Voilà, je pense qu'il y aura de chaque côté, il y aura une haie de pompiers avec des flambeaux, ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Et vous allez donc jusqu'à Courriot. Voilà, oui, donc on passe par le centre-ville. Excusez-moi, ce qu'il faut préciser, c'est que cette année, donc, c'est le vendredi, et il y a France 2, parce qu'en même temps, Saint-Étienne est la ville ambassadrice du Téléthon. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, pourquoi ce vendredi? D'habitude, la Sainte-Barbe, on l'a fait le samedi. Mais bon, comme il y a le Téléthon, et Saint-Étienne, c'est la ville ambassadrice pour le Téléthon. Une des villes ambassadrices, donc, oui. Voilà, donc on a changé la date, hein, et puis ça tombe bien, puisque c'est le 4 en plus. Et une fois qu'on est arrivé à Courriot, qu'est-ce qui se passe? Alors, avant Courriot, donc il faut traverser bien sûr le centre-ville, et surtout la rue Michel Rondet, hein. Ça, j'y tiens beaucoup. Rappelez-nous donc qui est Michel Rondet. Ben Michel Rondet, c'est un des premiers syndicalistes qui a créé la première caisse de secours minière qui s'appelait la Fraternelle en 1869. Vous voyez qu'on était en avance sur la Sécu. Hein, c'est toujours bon de rappeler les faits historiques. Ah ben les faits historiques, il y en a eu, bien sûr. Michel Rondet, il a été renvoyé. D'ailleurs, il a fini sa carrière au barrage de la Valette. Il est mort, d'ailleurs, là-haut, silicosé. J'avais envie de faire un trait d'humour en vous disant qu'il a fini en cafétéria, rue Michel Rondet. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, c'était un grand syndicaliste. Donc son buste, enfin sa statue, elle est place de la Ricamarie. Devant la mairie. Voilà, puisque je crois qu'il est né là-bas. Hein, Donc il va se passer quoi? Donc ensuite, feu d'artifice, Oui, comme les autres années. Non, pas le bal. Non, 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 le grand feu d'artifice, hein, qui a un grand succès, comme toutes les années d'ailleurs. Et bien sûr, ensuite, sur invitation, on va rentrer dans la salle des lavabos. Ça, c'est géré par l'association des Amis du Musée de la Mine. Là, donc, il y a un spectacle. Et on va manger, bien sûr, la traditionnelle salade de pied de veau en vinaigrette. Et le spectacle, ce sera quoi? Le spectacle, ça soit je crois que cette année, c'est de la danse country. Voilà. D'accord, country. Très bien. Ce musée, il a démarré en quelle année? Alors, la genèse, je vais dire. Quelle est l'idée? Parce qu'il y a des bâtiments qui ont été rasés. Vous m'avez expliqué que ça a failli passer à la trappe et qu'on a rattrapé un peu le coup. Si vous voulez, le musée, les projets du musée ont débuté bien avant la fermeture, hein, le projet du musée, par des anciens mineurs, ingénieurs. Parce que les mines, elles se sont éteintes dans la Loire, en Saint-Étienne, en 73. Le 6 avril 73, le puits Courriot a cessé toute activité, quoi. Moi, je fais une parenthèse et puis un petit clin d'œil à un de mes oncles qui avait donc été muté à Farabès-Villers dans tout là-haut, quand la mine Saint-Étienne a fermé. D'accord. Et donc, l'idée de ce musée? Alors, l'idée de ce musée vient d'un groupe de mineurs et puis d'ingénieurs, quoi. Donc, le projet, si vous voulez, il n'a pas été, les municipalités n'ont pas été, il n'a pas été suivi. Ouais. Ce qui veut dire que le site a été abandonné en environ 15 ans. Alors, je ne vous dis pas 15 ans, la végétation s'est squattée, ça a été un peu détérioré, quoi. Oui, il y a eu beaucoup de dégradation. Voilà, et en 88, c'est avec le maire d'époque, M. Dubanchet, voilà, il a dit, allez, on démarre le musée. Et en 88, on a attaqué les travaux. Pour l'ouvrir en quelle année? Pardon? Pour l'ouvrir en quelle année, ce musée? Alors, l'inauguration est en 91. 3 ans de travaux, alors. Ouais. Ah, oui, parce qu'il y a eu... Il a fallu, je vous dis bien, c'était la forêt vierge, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Et ça vous fait quoi, à vous, ancien mineur, j'ai l'impression que ça devient un phare maintenant, de Saint-Étienne, voir là où il y a l'ascenseur, je ne sais pas comment on appelle ça. Ah, le chevalement du Puy Courriot. C'est une image de Saint-Étienne qu'on voit partout maintenant, donc ça doit être quand même une grande fierté pour vous. Mais bien sûr, tout à fait. C'est... On a le stade et puis monument. Oui, bien sûr. Le charbon a permis de promouvoir la ville et tout. Hein, ça, c'est même, on va dire, la France entière. Hein. Sans charbon, il n'y avait rien qui fonctionnait. Hein. Alors, vous m'avez dit aussi qu'il y avait une chose qu'il ne fallait pas parler. Et c'est le genre de chose qu'il ne faut pas me dire à moi. C'est quoi la silicose? Oui, bon, malheureusement, la silicose, hein, c'est pas mal de mineurs ils l'ont, d'autres l'ont plus ou moins gravement, quoi, ou déclaré ou pas déclaré. Hein. Bon, ça s'est déclaré un peu tard, ça s'est déclaré j'ai été reconnu silicosé en 2009. Voilà. Et c'est quoi les conséquences sur la santé?
Eh bien, c'est les poumons qui sont... Du mal à respirer. Oui, du mal à respirer, les changements de temps, tout ça. Donc, je vous dis bien, l'autre fois, j'étais fait un petit stage à la clinique du parc parce que je ne pouvais plus respirer. Voilà. C'est comme ça, quoi. Mm-hmm. Enfin, j'en suis pas encore à avoir l'oxygène. Hein. Le jour où j'aurai l'oxygène, ça sera déjà... Et pour revenir au musée, est-ce que c'est conforme à l'image que vous aviez dans votre esprit en vous disant au début, on va faire un musée ? Aujourd'hui, ce que vous voyez ? Oui, ben le musée, ça représente toute une, c'est un patrimoine, hein. Un pan de notre histoire. Et voilà, parler de l'histoire de Stéphano, enfin de la mine surtout, parce que la mine, elle était présente quand même dans toute la France, hein, dans le nord, partout. Voilà, donc c'est sûr que pour nous, c'est une fierté, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Et puis j'espère que ça va continuer pour les générations à venir. Puisqu'on est, tout à l'heure on rendait un peu hommage, bien sûr, et puis à travers cette émission, on rend hommage aux anciens mineurs. Il y a quelqu'un, c'était vraiment un personnage, je disais souvent, c'est mon grand-père spirituel, vous avez sans doute peut-être dû le connaître, Fernand, c'est Charlie Durantin. Charlie Durantin, c'était un mineur était sur Sorbier, qui a écrit beaucoup de poèmes par la suite. C'était le premier, sans doute, poète mineur. Il est décédé l'année passée. Il a eu quelque chose à la fin dont il était très fier, c'est qu'il a eu les palmes académiques qui ont été remises par la préfète de la Loire à l'époque. Et c'était vraiment quelqu'un de très bien. Et voilà, quoi. Donc Charlie, il est décédé l'an passé. Et c'était lui aussi une mémoire de la mine. Et il a fait beaucoup, beaucoup de poèmes, de chansons autour de la mine. Hein. Vous le connaissiez Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est un grand personnage. Est-ce qu'il reste encore beaucoup d'anciens mineurs ? Oh, il doit pas. Et oui, quand même. Bon, je vous dis bien, moi, je fais partie pratiquement dans les plus jeunes. J'ai 76 ans, mais bon, il en reste encore quelques-uns. Mais bon, je vais dire, il y a mieux de veuves que de mineurs. Hein. C'est triste, mais c'est la vie. Hein. Oui, c'est comme ça. C'est... Vous m'avez dit aussi que vous aviez fait pas mal de belles rencontres. Et je vais faire deux petits clins d'œil. On a dit que les mines se sont terminées à Saint-Étienne en 73. Oui. En 73, c'est la même année qu'un de vos amis était sur le toit du Jean Casino. C'était Henri, et j'avais envie qu'on lui fasse un clin d'œil aussi. Ah oui, c'était Henri, ça, oui, bien sûr. Oui, oui, je l'ai bien connu, bien sûr. D'ailleurs, il est même venu à Courriot, il est monté sur le câble. Hein. Il y a combien d'années, je ne me souviens plus, là. Il doit y avoir 4-5 ans, je pense. Oui, j'ai vu des photos. Oui, oui. D'ailleurs, vous en avez pas mal, des photos. Oui, 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 bien sûr, j'en ai profité. Oui, oui, c'est un grand personnage aussi, ça. Hein. Oui. Je vous coupe, pardon, allez-y. Oui, ben, j'allais le dire aussi, un autre personnage, c'était oui. Renaud. Hein. C'est ce que j'allais vous dire, pour le tournage de Germinal, il y a eu des scènes, le grand public ne le sait pas forcément, il y a eu des scènes tournées à Saint-Étienne. Et oui. Donc vous avez été le guide de Renaud. Voilà, si vous voulez, normalement Germinal aurait dû être tourné à Saint-Étienne. Ah bon. Parce que si vous voulez, le livre Germinal, ils ont commencé à l'écrire au château de chez Holzer à Firminy. D'accord. Ouais, donc Germinal a commencé à écrire. Donc, et après, bon, ils sont montés dans le nord, pourquoi, je ne sais pas, bon, ça c'est autre chose. Mais enfin, bon, j'adore ce film, bien sûr. Hein. Et donc Renaud est venu inaugurer à l'Alhambra, je me souviens, et je lui ai fait la visite avec M. Berry, tout ça. Claude Berry. Oui, alors une petite anecdote, hein. On lui a fait manger la salade de pied de veau en vinaigrette au fond de la galerie aux écuries. Et puis une anecdote, c'est que le matin, j'avais mis un peu de crottin tout frais, moi, pour ça l'a pas empêché de manger. Hein. Ouais. Et Renaud, alors, il y a des anecdotes, vous m'avez raconté des choses en off, est-ce que vous avez des choses à nous dire en on, avec Renaud, la relation ? Ah ben, ça a été formidable. Un coup, il m'a dit, j'aime mieux toi que les journalistes. Lorsqu'il m'a dit ça, je me rappellerai tout le temps. Oh oui, non, mais il était... C'est d'ailleurs, dans les anecdotes de Germinal, il y a notamment dans le film... Alors, le film, effectivement, c'est dans le Nord qu'il a été tourné par la suite. En tout cas, il y a notamment dans Germinal la fameuse scène de la fusillade du Brûlé. Donc, la fusillade du Brûlé, c'était à l'arrêt Camari. Il y a encore le monument, d'ailleurs, toutes ces étoiles tout qui sont... C'est au-dessus du quartier du Mont-Sel, voilà. Si vous passez par là-bas. D'ailleurs, je trouve que c'est pas très mis en valeur, ce truc. La fusillade du Brûlé, donc, c'est quand les mineurs se réveillent et se révoltent et qu'ils se font tirer dessus par les... À l'époque, c'est quoi ? C'était la troupe. Hein. C'était la troupe. Qui était commandée par le commandant ou le capitaine Josserand. Voilà. Et donc, la fusillade du Brûlé, donc en fait, dans Germinal, on la voit, mais c'est... En fait, ça s'est passé réellement à la Ric à Marie. Ça s'est passé à la Ric, oui, au Brûlé. Ça existe toujours, le quartier, mais après, il est vraiment modifié, quoi. Alors, on parlait de rencontres. Moi, si je vous ai rencontré, c'est grâce à une personne.
Elle est invitée surprise de cette émission. C'est une petite fille de clapeuse. Christine, bonjour. Bonjour. Alors moi, j'aimerais que vous nous racontiez en quelques mots, quel était, tous les deux d'ailleurs, quel était le rôle d'une clapeuse à la mine? Ben, moi, personnellement, je ne sais pas trop parce que je l'ai pas vécu. Je l'ai entendu raconter par ma grand-mère, donc qui a fait partie des dernières clapeuses du Puy Corio. Et je sais que c'était une vie assez difficile. Donc, Fernand, si vous voulez un petit peu développer les journées de ces femmes. Oui, les clapeuses. Oui, parce qu'à la mine, il n'y avait pas que des hommes. Ben, c'est-à-dire que les clapeuses travaillaient au jour, hein, les femmes. Il y a pas, nous aussi, on n'a jamais eu de femmes au fond. Hein. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Contrairement peut-être que dans d'autres mines. Et l'âge minimum des travailleurs, c'était quel âge? 14 ans hein, au fond de la mine, ou il y avait un âge plus élevé? À mon époque, c'était 16 ans, hein, 16 ans avec un CAP de mineur. Hein. Mais avant, c'était 14 ans, et ou peut-être plus avant, encore d'accord. plus. Hein. D'accord. Oui, bien sûr. On revient aux clapeuses, donc. Voilà, alors, donc les clapeuses, c'était des femmes remarquables. Hein. Bon, c'était des jeunes filles, beaucoup de veuves de mineurs. Oui, c'était le premier. Elles étaient prioritaires à l'embauche, ça je tiens à le signaler. Hein. Voilà. Leur rôle, c'était de faire quoi, alors? Alors, c'était de trier le charbon, tout simplement. Donc, le charbon passait sur des convoyeurs, hein. Au jour, et elles enlevaient tout ce qui n'était pas consommable, c'est-à-dire des morceaux de bois, des pierres, donc d'où le nom clap. Clap, ça veut dire pierre. Hein. Il y avait beaucoup de pierres. Alors, donc oui, mais des pierres qui étaient noires, qui ressemblaient du charbon, bien souvent, donc elles arrivaient bien sûr à se tromper, à prendre un morceau de charbon à la place d'un clap, et tous ces détritus étaient montés sur les crassiers. Voilà. Voilà, c'est alors ça, pourquoi ouais. que les crassiers aussi, on en revient, pourquoi qu'ils brûlent toujours? Parce qu'il y a environ 2-3% de charbon dedans. Donc il se produit un phénomène chimique, il y a de la pyrite, vous voyez, c'est compliqué, et ils consument à l'étouffer, on va dire. Voilà. Des crassiers, on a combien à Saint-Etienne? On en a deux. Hein. Il y en a un vers le pont de l'Anne. Celui-là, il est bien plus récent. Hein. Et plus puis récent. Celui-là, il n'y a pas de charbon dedans. Hein. Il a été trié mécaniquement. D'accord. Voilà, donc là où il y a du charbon, c'est quand c'est trié par les clapeuses. Hein. Vous avez aussi à la Talaudière hein, des crassiers, mais qui sont plats, pas pointus. Et ils parlaient, passant un temps, de tous les recribler pour retirer du charbon qu'il y avait dedans. Vous avez compris ? Ouais. Ouais, il y a énormément de charbon. Et quoi. Du coup, vous m'aviez dit que le fait qu'il y avait cette fumée qui se provoquait dans là-dedans, avec le temps, ils descendaient, quoi, les crassiers. Voilà, ils se consument. Ils se consument. Alors par contre, ils avaient un avantage, hein. La route qui passe au pied des terrils, derrière, là, qui va sur Roche-la-Molière, Saint-Génère, vous connaissez, là, hein, il y a des usines, là, c'était un lac. C'est-à-dire que toute l'érosion, lorsqu'il pleuvait, ça se récupérait dans ce lac, et il y avait un chemin, et là, c'était fréquent de voir des jeunes mamans qui promenaient leur enfant sur les bras, elles taillaient une bavette, comme on dit, hein, elles faisaient les 100 pas, aller-retour. Pourquoi? Tout simplement pour faire respirer le soufre pour la coqueluche. Ah ouais. Vous voyez qu'il y avait quand même... On tire toujours un bienfait d'un effet. Ah, vous voyez, avec la mine, il n'y a pas que... Et pour finir cette émission, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres envies pour faire évoluer ce musée? Ben, pour le moment, vous avez vu, il y a des nouvelles salles qui ont été créées. Hein, et puis voilà, donc maintenant, le musée, il a l'avantage, c'est qu'il est classé. Voilà, donc je pense, après, il y aura des évolutions... Je pense qu'il y aura des évolutions quand même. Est-ce que vous savez la fréquentation, si c'est des Stéphanois, si c'est des gens de la région, s'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, comment vous avez des retours? Oui, il y a beaucoup de gens de l'extérieur. Hein. Oui. Il y a des Stéphanois, mais ça m'arrive d'en trouver qui ne sont jamais venus. Hein. Ils ne sont jamais venus au musée, hein, mais ça c'est courant. Ça, c'est... Mais il y a beaucoup de... Et les écoles. Les questions fréquentes qu'on vous pose, c'est quoi quand vous faites la visite? Oh, il n'y a rien de spécial. Hein. Ben si, les gens, il y en a beaucoup qui parlent. Hein. Est-ce qu'il y a eu un coup de grisou? Est-ce que si? Est-ce que là? Voilà. Donc, mais ça, donc, le côté morbide de la chose, on n'en parle pas trop. Quoique nous, l'association, on a prévu de faire un coup de grisou virtuel. Voilà, donc c'est dans les projets, c'est dans les tiroirs pour le moment, quoi, voilà. Mais sans regarder, je dis bien, le côté morbide de la chose, à voir comment que ça se passe. Hein. Voilà. Et moi, si je peux me permettre, une petite question. Donc mon grand-père justement est mort de la silicose à l'âge de 46 ans, laissant ma grand-mère veuve, bien sûr. Donc du coup, elle s'est retrouvée à travailler comme trieuse de charbon. Pourquoi justement au musée, il n'y a pas plus d'hommages par rapport à ces femmes? Parce que moi, j'essaye d'écrire quelque chose depuis plusieurs années par rapport à ça. Et en tant que comédienne, ben, j'espère pouvoir le mettre en scène.
Et je trouve que c'est dommage parce que justement, on ne parle pas assez de ces femmes et on ne leur rend pas hommage réellement. On parle beaucoup des mineurs hein, et ça, je trouve ça formidable. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'elles ont quand même joué un grand rôle. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Ça, je reconnais que, d'ailleurs, j'en ai parlé à l'association. C'est vrai qu'on ne parle pas de ces femmes qui ont laissé... Certaines prenaient même de la silicose. Hein. Oui, ma grand-mère en avait. Attention, hein, ça, on oublie d'en parler parce qu'elle travaille dans des conditions très difficiles, surtout l'hiver, parce qu'il fallait que ça soit bien aéré, le chantier où elle travaillait. Hein. Donc, c'était tout à courant d'air. Et vous savez que dans le temps, les hivers étaient rudes, hein, c'est pas maintenant. Hein. Donc, elles avaient énormément du mérite, ces dames-là. Hein. Énormément. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est pour ça que cette année, là, le 3 décembre, on fait une conférence sur les clapeuses à l'OPSI à Roche-la-Molière. Ah, bah, ça fait là, plaisir. Là, on va en parler. Hein. Donc, j'en ferai partie, d'ailleurs. Alors, pour terminer, moi, j'ai deux petites questions. C'est la première, c'est pourquoi les mines ont fermé à Saint-Étienne ? Alors, juste une question économique ? Oui, les mines ont fermé, c'est pas parce qu'il n'y a plus de charbon. Hein. Oui, ça je sais bien. Ça c'est clair, il y a énormément de charbon. Ça coûtait moins cher de faire venir de l'Est. Voilà, le charbon qui venait de l'étranger, de Russie, de Chine, je ne sais pas d'où, rendu sur place trois fois moins cher. Donc il n'y a pas photo, on ne peut pas lutter. Quoi, on peut pas, voilà. Et la dernière, pour conclure, c'est comment vous voyez l'avenir de Saint-Étienne ? Oh ben, je pense que c'est pas évident, bien sûr, hein, mais j'espère que les emplois vont revenir, surtout pour les jeunes, tout ça. Là, j'espère que ça redémarrera, j'espère bien. Hein. Est-ce que mais vous n'avez pas peur que Saint-Étienne, ça devienne qu'une ville de musée ? Peut-être. Ça, c'est dur à dire. Hein. C'est vrai que... Le musée du cycle, du textile, ah du charbon, oui, de l'art. Oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a ben, Manu France, hein, tout ça. Il n'y a plus rien. Ouais, on reste encore optimiste et on se sert du passé pour avancer. Voilà, tout à fait. En tout cas, un grand bravo à vous. Un grand merci d'être venu. C'est moi qui vous. Et puis, à travers vous, on rend hommage à tous les mineurs. Et je pense que dans toutes les familles stéphanoises, il y a un ancêtre ou un ancien mineur. Voilà. Absolument. Et moi, alors, vous l'avez sûrement... On parlait tout à l'heure, Christine nous parlait des femmes. Moi, je voulais rendre hommage à ma grand-mère. Elle n'était pas mineure, elle, hein, ni clapeuse, bien sûr. Mais elle a tenu pendant très, très longtemps. Fernand, je ne pense pas que vous avez dû connaître, mais c'était le café des mineurs qui était à côté des mines de la Chazotte. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et voilà, quoi. Donc, mais parlons de nous aussi un moment, je crois, vers la fin. Mais, c'est vrai. C'est voilà, vrai. Donc, tout le monde dans sa famille, bien sûr. Et c'était la Francine. Oui, j'ai une toute petite anecdote pour terminer. Ouais. Je vous laisse la parole, puisque vous avez encore quelque chose à nous dire. Oui, pour conclure, donc je souhaite une très bonne Sainte-Barbe à tous les anciens, hein, les familles du mineur, et voilà. Et je voudrais surtout vous dire que les mineurs, qu'ils soient de France ou de Navarre, ils ont tous un cœur gros comme un grêle de charbon. J'ai envie de vous dire que c'était une époque très solidaire. Voilà. Oui, il y a une grande solidarité. Chacun était main dans la main, il n'y avait pas de nationalité, il n'y avait pas de politique. À la mine, on était tous noirs, hein. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Voilà. Moi j'ai une anecdote, c'est quand j'étais petit, mon grand-père avait travaillé à la mine et j'étais choqué parce qu'il lui manquait un doigt. Et il m'avait expliqué qu'il l'était fait couper avec un wagon, je crois. Oui, ou les étanceurs. Ah ben, les doigts coupés, il y en a eu. Hein. Mais ça, c'est... Mais quand on est petit, c'est des images qui marchent. C'est un petit accident, ça. C'est pas méchant. Surtout vous par rapport à votre jambe. Puis d'autres, mais c'est pas méchant, un doigt coupé. Hein. Ben, je me rappelle, j'en ai eu vu, hein, des doigts coupés. On le mettait dans un chiffon. Et puis on le mangeait le soir. Ouais, on disait au gars, on le mettait dans sa poche, dans son bleu. Là, on lui disait, tu le donneras ton chausse. Ouais. En tout cas, je suis très content de vous avoir reçu, Fernand. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Pas de problème, si Dieu le veut, hein, bien sûr. Hein, ah, voilà. Bien sûr. Merci Christine pour cette petite intermède. Merci Gilles, merci Fernand. Et puis merci à très bientôt, vous, puis, à vous et deux, puis bonne hein. Sainte-Barbe. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Merci Philippe. Brother man nowadays living in the ghetto where the danger show never real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 9 to 5, he's walking with steel, brother man, sing his favorite song. Au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes,
des mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays et je lui dois ce que je suis. Mon âme, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les âmes.